la plus belle récompense, je trouve, c'était dès le départ, quand l'espace a été fermé à la voiture sur la partie piétonne, c'était de voir que les piétons, les Nivellois ont tout de suite intégré cet espace et en ont pris possession. Donc on a vite vu, dès que le soleil montre le bout de son nez, ben les terrasses sont pleines, les personnes vont à pied, vont sur les bancs, s'installent autour de la fontaine, sur les pelouses autour de la collégiale. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand les gens ne vont pas dans les passages pour piétons, je me dis que finalement, c'est qu'ils se sentent chez eux, même si c'est très sécuritaire. Ouais. Mais l'objectif principal, c'est de rendre aux piétons cet espace qui, en plus, est bordé de monuments historiques très importants tels que la collégiale. Et il faut se rappeler qu'avant qu'on intervienne, la Grand Place était un énorme rond-point où tout était à la voiture et très peu pour le piéton. On a voulu inverser la vapeur, je vais dire, et rendre cet espace plus aux piétons et minimiser les espaces dévolus à la voiture. Au point de vue des matériaux, on a voulu rester très sobre. On a travaillé avec des matériaux naturels tels que la pierre bleue et tels que le bois et des espaces verts, bien sûr. Une promenade qui contourne la collégiale et fait tout le tour de la Grand Place a été marquée en béton délavé pour retrouver en fait la même couleur que la collégiale et retrouver aussi l'idée d'un chemin en dolomie qui se promène le long d'un espace vert qui marque donc cette promenade. L'objectif du nouvel éclairage est de rendre une lumière plus douce et surtout plus tranchée au niveau du piéton. Donc avant, on avait un nuage orange qui englobait toute la place. Il n'y avait pas de contraste de couleur. Ici, on voit maintenant mieux les matériaux, mais aussi les personnes quand elles se parlent. C'est un petit peu plus sympathique qu'auparavant. D'où l'intérêt de mettre des bancs surtout sur cette partie-ci. Bien sûr, du côté de la gare des bus. Et côté salle des mariages, on en retrouve vraiment tout le long du parcours piéton. Et on a demandé à avoir un matériau plus chaud pour ne pas que ce soit minéral sur toute la grande place, pour rendre un petit peu de chaleur à l'ensemble.